Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mégane Budget. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 du mois d'avril et le remplissage pour la semaine 4. J'espère que de votre côté, votre semaine s'est bien passée. On approche de la fin du mois. On adore, on a hâte. Comme tous les mois, je trouve que il est passé plutôt vite, puisque comme on vide les enveloppes au fur et à mesure, on a vraiment l'impression d'avancer étape par étape. Mais force est de constater quand même et d'avouer que la fin du mois, on l'attend quand même avec impatience. Non pas comme avant, en se disant « enfin, je vais pouvoir avoir mon salaire et me remettre à manger et à vivre », mais plutôt pour savoir combien on a réussi à économiser pendant tout ce mois-ci, tout en se faisant plaisir à côté. Est-ce qu'on a réussi à jouer avec la balance plaisir-économie? Voilà. Écoutez, j'ai pas encore regardé ce que ça va donner d'ici la fin du mois, même si j'ai une petite idée. On verra ça la semaine prochaine. J'ai envie de dire, concentrons-nous sur le bilan de la troisième semaine. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va remplir la semaine 4 dans la foulée, comme d'habitude, et puis répartir nos économies de la semaine dans les différents défis. Allez, c'est parti. Alors, je répète à toute fin utile. J'ai peur de me répéter un petit peu trop, mais je me dis, comme j'ai des nouveaux abonnés assez régulièrement, je préfère faire des petits rappels de temps en temps. Donc ceci, c'est mon Filofax A7 que j'ai reçu en cadeau de Noël. Ça n'est pas du tout indispensable d'avoir un classeur qui coûte aussi cher, même s'ils sont très jolis, très pratiques. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu sur Amazon... si j'y pense, je mettrai le lien dans la barre de description. Des classeurs format A7 à 12-13 euros. Il y a bleu, rose et violet. Comme ça, un peu couleur pastel, tache d'aquarelle. Le mieux, c'est que vous regardiez parce qu'au niveau de la description, je me rends bien compte que... Bon, c'est pas mon métier, voilà. Au secours. Qui sont à 13 euros et je me suis dit, je l'ai envoyé le lien à une de mes copines qui veut se mettre aux enveloppes et qui n'avait pas envie, et je comprends tout à fait, de mettre 40 euros dans un Filofax, ne sachant pas encore si ça allait lui convenir comme façon de faire ou si elle allait faire en carte bleue, bref, c'est pas le sujet. Du coup, ils sont vraiment pas chers. Je me tâte même, pour tout vous avouer, à m'en prendre un pour cet été parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Je me dis que celui-ci, bon... C'est complètement futile ce que je suis en train de raconter, mais celui-là, peut-être que je préférerais le garder pour le reste de l'année et l'été, d'avoir un autre petit classeur un peu coloré. D'ailleurs, j'ai l'impression sur les photos qu'ils sont un peu plus fins. Donc, le Filofax, il a un peu cette impression d'être rembourré, c'est ça que je veux dire. Donc, écoutez, bah, je vous tiendrai au courant. Peut-être que vous allez vous rendre compte un de ces jours que je vais avoir changé mon classeur à 7 ou peut-être pas. Beaucoup de blabla pour pas grand chose, je suis navrée, on va rentrer dans le vif du sujet de suite. Alors, hop, oui, donc en fait j'ai même pas fini ma phrase, ça c'est mon Filofax A7 pour la semaine, où j'y mets mon budget de la semaine que j'avais préparé semaine à semaine dans mon classeur A6 qui est un... classeur dans lequel je mets le budget de tout mon mois, pardon, en découpant par semaine. Comme ça, chaque semaine, j'ai juste à prendre la semaine 2, hop, et la mettre dans mon Filofax, et c'est réglé. Donc, on va remplir en même temps, puisqu'il nous reste la semaine 4 à faire. Alors, est-ce que c'est pas un peu brouillon, cette vidéo? J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait, alors que bah, c'était la semaine dernière, comme toutes les semaines. Je sais pas, cette semaine a été un peu bizarre. Alors, il nous reste 25 et 32 centimes, si je me trompe pas. Vous voyez, là, je vois que sur mes anti-sèches, parce que j'ai préparé ma vidéo, et ben je l'ai très mal préparée, puisque je croyais que je n'avais que 2 billets de 5, et en fait, en dépliant, là, je vois qu'il y en a 3. Donc, je vais juste rajouter 5 euros à tout ce que
J'avais calculé. Donc ça fait 25 € et 32 centimes, dont beaucoup de pièces rouges. Donc ça, les pièces rouges, ça va dans une boîte que je ne regarde pas. Et quand je vais échanger mes pièces jaunes au travail, je prends ma boîte de pièces rouges en même temps. On met tout dans la... Vous savez, on a une compteuse pour compter les pièces. On voit combien ça fait. Et puis je les transforme en billets. Pour ce qui est possible. Alors, course, 80 € par semaine. Cette semaine, ça a été les courses. Je ne sais pas comment on s'est trop débrouillé, mais finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Donc, c'est chouette. En espérant que ce soit la même chose cette semaine. Après, les semaines se ressemblent tellement pas que je ne saurais vous dire comment j'ai fait cette semaine-ci pour ne pas dépenser ces 25 €-ci. Alors, ensuite, pharmacie. On a dépensé 5 € cette semaine. Donc, il nous en reste 10, mais c'est un budget au mois, donc je n'ai pas à le remplir. Sortie. Eh bien, écoutez, sortie. Bah, je vais laisser. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais prendre les deux billets 10. On n'est pas sorti cette semaine. En tout cas. Rien de payant, j'entends. Évidemment, on ne reste pas enfermé H24 à la maison. Ce serait un peu triste. Oh là là, c'est trop chouette. Vous avez vu, il n'y a plus de sous après, mais ça veut dire que c'est la fin du mois qui arrive. Trop contente. Alors, sortie, on remet 20 €. Je pense que pour le coup, cette semaine, ils vont être dépensés. On verra. D'hiver, il nous reste 17 centimes. Donc, au niveau des pièces, c'est pas la folie. Hop, d'hiver. Ah bah c'était ouvert, dit. Hop là. On est reparti. On est prêt. Perso, bah pareil, j'ai pas dépensé mes sous cette semaine. Besoin d'un billet de vin aussi, alors hop, je vais prendre celui-ci. Ah mais en fait j'avais pas fermé du tout mes enveloppes. Ok. Vous me direz, il voyage pas celui-ci, donc c'est pas bien grave. Et ça monte les petits billets là. On est contente ou on n'est pas contente? Trop trop bien. Bah perso, du coup, je referme mon enveloppe. Tabac, c'est un budget pour 2 semaines. Il nous reste. Enfin, il me reste, puisque celui-ci, c'est pour mon tabac, 3,80 €. Imprévu, il est ici. Il a toujours pas été touché, donc c'est super. Pour mon petit filofax, je vérifie, mais hop, tout est rempli. Hop. Celui-ci, je peux le déplacer aussi. Et là, c'est l'argent qui reste du tabac d'Ivan. Donc, il lui restait 13,90 €. Hop là. Allez, viens par là. Trop contente. Et je lui ai déjà donné le billet de 50 pour sa dernière. Bah super. Je reviens, il y a ma pièce qui est tombée du bureau. La voilà, la fugueuse. Donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà éliminer, enfin éliminer, mettre de côté mes pièces rouges. Hop. Pièces jaunes ici. On va organiser nos petits billets, parce que j'ai fait n'importe quoi. Billet de 5, billet de 10. Alors, combien ça fait là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75 €. Et là, j'ai des pièces. Donc, ça fait, j'ai déjà compté en avance, 79,39 € d'économie pour cette semaine. C'est vraiment trop chouette. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à mon carnet budget avant d'oublier. Bah, en fait, ça m'embête. Voilà, on va faire ça comme ça. Non, pas du tout. Je vais mettre ça sur le côté. On va passer au carnet budget et je vais zoomer sur mes tableaux pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, on y est. Alors, semaine 3. Donc ça, c'est un tableau de dépenses et non pas d'économies. Nous avons dépensé
59,68 €. En santé, on a dépensé 5 euros, mais comme il est surligné en orange, c'est un budget mensuel et je ne le compterai pas dans mes dépenses de la semaine, mais dans mes dépenses de ma dernière semaine, où ici je regroupe tous les budgets de la semaine 4, mais aussi les budgets au mois et éventuellement les budgets qui sont sur 2 semaines si la deuxième semaine tombe sur la dernière semaine du mois. Je pense que ce sera plus clair. Si vous me voyez le faire en direct la semaine prochaine. Sortie, on n'a rien dépensé. Divers, j'ai dépensé 9,83 €. Perso, rien dépensé. Mégane bah, j'ai dépensé 16,20 €. Hop. Pareil, ça c'est un budget pour les semaines 3 et 4. Donc je ne vais pas le compter dans mes dépenses. Tabac Yvan, il a dépensé 36,10 €. Le psy, il n'y en a pas eu cette semaine. Chat, rien acheté. Voiture, pour l'instant rien fait, mais peut-être que la semaine prochaine ça va changer. Et imprévu, non. Parce qu'on a peut-être prévu d'aller voir des amis vendredi prochain, parce que je me suis organisée pour me faire un long week-end de 4 jours, donc ça va être chouette. J'avais besoin de repos. Donc voilà, on va aller voir des copains. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais du coup, c'est sûr qu'on va devoir prendre la voiture, payer un parking. Donc voilà, le budget voiture passera dedans. Enfin, pas tout le budget voiture, j'ose espérer, parce qu'il y a quand même 50 €. À moins que je fasse le plein complètement. Enfin, je vais voir, parce qu'il me reste de l'essence. Donc, est-ce bien nécessaire? Moi, j'aime bien faire au moins le mois. Bon, sauf quand il y a des pénuries d'essence, forcément. Mais je rappelle que moi, je vais au travail à pied. Donc en fait, j'ai pas cette urgence d'avoir toujours de l'essence dans ma voiture. Très régulièrement, je peux me dire bah tant pis, j'y vais à pied ici ou je décale. Ma voiture n'est pas quelque chose d'indispensable dans mon quotidien. Après, pour les choses exceptionnelles, dans le sens où ça, qui sortent du quotidien, comme aller voir des amis un peu plus loin que à côté de chez nous, où il faut prendre la voiture, etc. Je pense que mon budget suffit et surtout que je peux m'y prendre à l'avance. Donc, je verrai la semaine prochaine comment je m'organise. Début mai, j'ai aussi l'anniversaire de ma nièce et de mon neveu. Donc là, pareil, c'est à 2 heures de route. Donc, voiture, essence, péage, cadeau. Donc, à voir comment je m'organiserai dans mon budget. J'ai un peu quelques idées. Donc bon, je verrai. Du coup, au niveau des dépenses, ça fait 100 € et 61 centimes. On passe, pioup, au bilan hebdomadaire. Donc, semaine 16, nous avions un budget de 180 €. Nous avons dépensé 100 €, hop, hop, 61, et économisé 79,39 €. Donc ça, déjà, c'est super génial. Et alors, est-ce qu'on peut s'attarder une petite minute sur ça? Parce que ce matin, je me suis dit, bon, Mégane, il est peut-être temps que tu remplisses cette somme-ci. Donc j'ai tout calculé. Et pour être honnête, j'ai calculé 3 fois. Parce que j'y croyais pas vraiment. Donc là, les sommes que vous voyez et cette somme-ci, c'est uniquement avec mes économies à la semaine. Ici, il n'y a pas d'épargne mise en début de mois. Donc c'est assez incroyable. Alors évidemment, dans cet argent-ci, comme je le mets dans des défis, dans des épargnes à court terme, etc., je n'ai pas cet argent physiquement chez moi. Parce qu'il y en a qui sont partis, revenus, partis, revenus, partis, revenus. Mais c'est quand même notre capacité d'épargne à la semaine, c'est ça, sur un trimestre. Donc c'est quand même, je trouve ça assez incroyable. On va voir le deuxième trimestre. Si on arrive à peu près au même montant. Et j'ai aussi rempli, j'ai calculé du coup pour le mois de mars, parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé la case vide. Donc là, pour le bilan mensuel, moi je mets et les économies à la semaine sur le mois, et les épargnes que j'ai pu mettre en début de mois. Donc janvier, février, j'avais pu en mettre en début de mois, et en mars, non. Donc bon, voilà, ça explique cette baisse, mais franchement, il y a quand même presque 300 € d'économiser
grâce aux économies à la semaine pour le mois de mars, sachant que c'était mon mois d'anniversaire, donc honnêtement, on s'est fait plaisir, hein. Donc voilà. À voir pour le mois d'avril, je pense que vu les montants, ça va être assez similaire au mois de mars. On espère toujours mieux, mais franchement, attendez, 300 euros avec un SMIC et un petit chômage, moi je trouve vraiment ça super. Voilà. Alors, maintenant que tout ça est dit, que j'ai parlé 300 ans, on va passer à la répartition des économies dans les défis. Allez hop! Allez, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les petits défis. D'habitude, je commence toujours par mon 780, mais je sais combien il faut que je mette cette semaine-ci, donc je vais garder. Il faut que je mette 20 euros et je vais faire avec le reste de mes billets. Pareil, les billets de 5, moi, je les mets exclusivement dans mon défi 5 euros. Donc, on va avoir ça et les petites pièces à mettre. Donc, j'ai 40 euros. 40 euros. Le défi Survivor, on est à 75 euros. Et je pense que je vais en mettre dedans. Défi du printemps, on est à 15 euros. Sortie loisirs, ça c'est mes petites épargnes à court terme. On est à 80 euros. Maison déco, on est. J'ai pas remis l'enveloppe. Mais on a fait des petits achats pour la salle de bain. Donc, il n'y a plus rien. Enfin, il reste 3 euros, mais bon. Je pense que je les mettrai dans mon défi des pièces. Comme ça, l'enveloppe sera vide et je pourrai y remettre des billets. Mais c'est pas très grave. Je pense que le mois prochain, on mettra des sous dedans. Honnêtement, là, on a plus envie de sortir, de voir des copains, d'aller boire des verres, d'acheter des shorts pour moi et des salopettes. Pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. Du coup, 50 euros pour moi. Et Yvan, il y a toujours ces 30 euros. Donc, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Bon, je pense que le plus simple, c'est qu'on va mettre 20 euros dans chacun des défis. On va mettre. Ah ben non, j'aimerais en mettre dans anniversaire. Ah ben voilà, on va faire 20 euros dans Survivor et 20 euros dans anniversaire. Ça me paraît pas mal. Hop. Allez, 20 euros ici. Ah, j'arrive pas à attraper mon stylo. 5, 10, 15, 20. Ça fait 95. On est bientôt à 100 euros, c'est super. Donc on a dit que pour celui-ci, c'était terminé déjà. Comme quoi, ça va vite, hein. Ensuite, ici, on va faire un petit tour des épargnes. C'est vrai que je ne le fais jamais. Fonds de secours, ça n'a pas bougé depuis le 23 février. C'est un peu normal. Pas d'économie en début de mois. Donc je me concentre sur mes défis. Bernie et Chatham, ils ont toujours, c'est mes petits chats, hein, enfin nos petits chats, ils ont toujours leurs 40 euros, sachant que leur rendez-vous chez le vétérinaire, ce sera en décembre prochain, donc ça va. Santé, je ne l'ai pas noté ici, mais on n'a plus rien, puisqu'on a fait des petits rendez-vous chez le médecin. Donc ça va falloir remettre aussi le mois prochain ou en fin de mois, là, éventuellement si les économies le permettent. Voiture, on a toujours 60 euros. Noël, on a toujours 80 euros. Anniversaire, on est à 120. Donc c'est là que je vais rajouter de l'argent. Le futur appartement, on est à 680. Et donc là, hop, c'est le défi 780. Donc avant d'oublier, on va mettre dans anniversaire 20 euros. Du coup, je pensais... Je pensais faire de l'essence aussi avec une partie de ce budget et payer le péage en carte bleue avec mon budget voiture au mois. Je pense que c'est pas trop déconnant. Alors, 9 avril, on est le combien? Vous n'allez pas me répondre, vous me direz. On est... Oh là là, Mégane, t'aurais pu te préparer. On est le 23. Hop. Donc, on rajoute 20 euros, ça fait 140 euros. Sachant que je... À voir si j'ai réussi à faire... Enfin, réussi. Si j'ai eu besoin de faire de l'essence
la semaine prochaine et que ça suffit pour faire le trajet, bah, j'aurai pas besoin. Sinon, bah, je prendrai dedans éventuellement, je sais pas moi, 30 euros ou 40 euros et le reste sera pour les cadeaux pour mon neveu et ma nièce. Alors, ensuite, on a le défi 780. Hop, 780, je suis passée très vite, pardon. Semaine 16, c'est nous, 20 euros. 20 euros, hop, qui rejoignent leurs petits potes. Voilà. Le défi 5 euros, j'ai mes chats qui jouent à côté. C'est la baston. Défi 5 euros, du coup, j'en ai 3 et pas 2 comme je croyais. 1, 2 et 3, ce qui fait 285 euros. Alors, on m'a donné deux idées en commentaire pour ranger mes billets de 5 euros. Il y avait la fameuse boîte de Ferrero Rocher. Et l'autre, bah, pour tout vous avouer, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus. Mais ça devait être aussi de la nourriture. Ah là là, ça m'énerve. Je sais que... Ah, oh, ça m'agace. Bon, écoutez, j'irai regarder à nouveau dans mes commentaires et puis je marquerai éventuellement sur l'écran si j'ai retrouvé. Mais du coup, ce sont de bonnes idées, ma foi, si jamais ça peut vous inspirer vous aussi de votre côté. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça, comme dirait Forrest Gump. Défi des pièces, bah ça y est, on y est, hein, parce que j'ai fini de répartir tous mes billets. On avait presque 80 euros, vous avez vu comment c'est parti vite. Alors, 2, 3, 3,50, 3,70, 3,90, 4 euros, 4 euros 10. 4 euros 10, et ça fait donc 64 euros et 20 centimes. Sachant que j'ai échangé certaines pièces, donc j'ai déjà un billet de 50 ici, et je dois avoir du coup 14,20 € dans ma pièce, dans ma boîte à pièces jaunes. Voilà, j'irai bientôt les échanger, je pense, quand ça fera 20 euros éventuellement. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense pas avoir oublié de choses. Il faut que je pense à mettre le lien du Filofax, pas du tout, du classeur A7 à 13 euros d'Amazon en barre de description. N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Si jamais vous avez justement envie de passer à quelque chose de type classeur à mettre dans le sac à main, ça peut être un bon compromis. Après, comme je vous ai dit, je l'ai pas encore. J'allais dire encore acheté. Je ne l'ai pas acheté, donc je ne saurais vous dire en vrai quelle est la qualité, si vraiment c'est aussi bien qu'un Filofax ou pas. Ce serait bien, peut-être que je passe commande. Et on va voir avec le budget, hein. Et puis si jamais, bah comme ça, je pourrais vous faire un retour. Voilà, j'ai tout dit. On se retrouve donc la semaine prochaine dimanche pour faire le bilan de la dernière semaine du mois d'avril, donc le bilan du mois complet. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine d'ici là. Et puis de mon côté, je vous fais une bise et portez-vous bien. Bye!